1er mai 2023, le monde célèbre encore une fois la fête du travail. Quel est l'enjeu de cette commémoration pour les syndicats des travailleurs en Côte d'Ivoire Nous en parlons dans ce numéro de C'est-à-dire avec Soro Mamadou, secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme de Côte d'Ivoire. Merci d'être sur ce plateau. C'est à vous le merci hein, de nous inviter, de nous permettre de parler du monde du travail. Et surtout, c'est le témoignage d'une sympathie que votre organisme à l'endroit des travailleurs, de mieux les faire connaître, de mieux les accompagner. Donc merci pour cette solidarité. Je vous en prie. On parle de fête du travail, on parle de 1er mai. Que représente cette date pour vous qui êtes secrétaire général du Central Syndical Le 1er mai, de façon historique, hein, c'est la commémoration de nos morts. En effet, au moment où le temps du travail était de 12 heures par jour, il y a eu la volonté unanime de l'ensemble des travailleurs du monde entier. De pouvoir faire avancer, réduire le temps horaire travaillé. Et donc, c'est dans cette lutte pour pouvoir amener de 12 heures à 8 heures le temps travaillé qu'il y a eu quand même de la répression, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit en Russie. Et donc, mais la volonté affichée des travailleurs était d'une détermination sans faille. Mais autour du mois de mars de 1832, que ce soit à Chicago, que ce soit en Australie, il y a eu vraiment une répression avec des coups de feu à balles réelles, où autour du 10 mars jusqu'au 22 mai 1832, partout il y a eu des manifestations, il y a eu des tueries. Le nombre de morts ont dépassé les 1000 morts partout. Et donc finalement, quand la négociation a permis de retenir la journée de 8 heures en Australie, à Melbourne exactement, les autres parties de, de la planète ont commencé à accepter, aux États-Unis, en Angleterre, en Russie, et donc finalement, ça a été un droit acquis. Mais pour célébrer quand même cette victoire de la négociation, mais aussi de nos morts, on a décidé de commémorer cela le 1er mai, qui est une date médiane de mars à mai, pour pouvoir le faire. Donc, à l'origine, mm. c'est la commémoration de, cette, de nos de nos Des travailleurs disparus. disparus. pour leur rendre hommage, mm. pour l'avancée du droit qu'ils nous ont permis d'obtenir. Et donc, mais vous savez, hein, l'humanité ce qu'elle est. En avançant, les employeurs ont voulu aussi accompagner les travailleurs. Okay. Et donc, progressivement, de commémoration, les gens utilisent le mot de fête du travail. Alors, votre centrale syndicale pardon, compte 217 syndicats Oui, ce sont 217 syndicats nationaux qui représentent 604 000 travailleurs en Côte d'Ivoire. 604 000 travailleurs. Alors, pour cette fête du travail, comment comptez-vous la célébrer C'est une fête euh, qui aura donc euh, trois volets. Le premier volet, ce sera d'abord un meeting que nous allons organiser au gymnase des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Le deuxième élément, ce sera donc des. Meeting éclaté dans nos différentes sections régionales et le, le troisième temps, ce sera donc la célébration à la, la participation de Humanité à la célébration officielle qui va se dérouler à l'esplanade donc de la primature de Côte d'Ivoire et donc nous attendons environ 2000 euh, travailleurs au gymnase des sapeurs-pompiers de, Sapeur de l'Indigné où effectivement chaque travailleur chaque secteur d'activité pourra avoir un porte-parole qui va présenter la situation et surtout les perspectives qu'on envisage pour pouvoir gagner demain, encore que demain soit meilleur par rapport à aujourd'hui. Et donc, voilà un peu de façon succincte euh, la, le déroulé qui va être fait sur Abidjan et sur et du pays. nos 32 régions. Alors, vous qui êtes si proche des travailleurs de Côte d'Ivoire, c'est certain qu'ils vous font cas des différentes difficultés qu'ils rencontrent au, au, au fur et à mesure qu'ils font des, leur, leur profession. Qu'est-ce que vous savez des difficultés des travailleurs de Côte d'Ivoire Oui, mais c'est la raison sociale de notre création, être à l'écoute des travailleurs. D'accord. Après les avoir écoutés, c'est pouvoir leur faire une suggestion, une proposition d'accompagnement. Dans le but d'améliorer cette situation. Et nous procédons donc par la formation, l'accompagnement, et la formation permet d'accroître la compétence et leurs capacités. Et donc à partir de là, on accompagne. Pour dire aujourd'hui, il y avait quelques grandes préoccupations, mais je pense qu'avec les discussions que nous avons menées, nous pouvons dire que nous avons quand même de façon transversale abordé des grandes problématiques. C'était la question du smic okay. et vous avez vu que on 75 les discussions ont permis de faire avancer la question du smic. Donc là, à, à côté de ça, si on veut parler de problématiques, ce sera de parler un peu de la question du marché de l'emploi. Et donc je pense que nous pouvons souhaiter qu'il y ait davantage d'investisseurs, il y ait davantage de capitaux qui viennent. Pouvoir créer davantage d'entreprises pour que, effectivement, le marché de l'emploi soit un marché dynamique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que ce soit pour le secteur public, que ce soit pour le secteur privé, nous sommes arrivés à des protocoles d'accord qui garantissent la trêve sociale pour que ce soit un environnement favorable aux entreprises et aux investissements. Euh, parlons de. De promotion de l'emploi, l'année 2023 est décrétée année de la jeunesse. Récemment, face au Parlement, le président Alassane Ouattara parlait de 1 milliard de francs CFA octroyés à la jeunesse par jour. C'est quelque chose qui a suscité beaucoup de réactions. Votre commentaire Mais nous, en tant que travailleurs, en tant que syndicalistes, partout où il y a des investissements qui vont participer à accroître l'insertion, nous ne pouvons que saluer. Maintenant, il appartient à tout citoyen qui pense qu'il peut apporter sa contribution de l'ajouter. Et donc, nous, on est pour qu'il y ait davantage d'insertion. Et donc, on ne peut que saluer cette, cette disposition particulière du président de la République, qui consiste d'injecter un milliard par jour pour que effectivement l'insertion des jeunes puisse se faire vous avez été un acteur majeur dans la signature du, du protocole de la trêve sociale en Côte d'ivoire au total il y en avait huit avant d'aller plus loin quel bilan retenons nous neuf mois après la signature d'une telle convention je pense que en regardant un peu les dispositifs de l'organisation internationale du travail qui lors de sa création en 1919 a prévu que pour qu'il y ait dialogue social il faut au moins deux parties donc, c'est vrai, nous, les syndicats, on était une partie, mais le gouvernement était l'autre partie. Et la négociation avec le secteur privé s'est fait aussi avec le patronat de Côte d'Ivoire. Donc, chacune des parties a été essentielle, a été une partie qui a joué un rôle majeur. Sinon, il n'y aurait pas eu aboutissement. Et donc, c'est de saluer chacune des parties, saluer le président de la République qui a permis l'ouverture de véritables négociations au niveau du secteur public. De Salue aussi le président parce qu'il a boosté les négociations dans le secteur privé. Après lui, c'est de saluer son excellence Patrick Hachi qui a été vraiment pour le secteur privé de tout temps avec nous pendant ces huit mois pour qu'effectivement on puisse aboutir. De même, nous devons saluer le patronat de Côte d'Ivoire avec l'ancien président de la Conférence générale des entreprises, mais aussi avec le nouveau parce que c'est avec lui que nous sommes en train de parachever toutes ces discussions. Saluer le patronat de Côte d'Ivoire, saluer le gouvernement de Côte d'Ivoire, saluer les différents ministères impliqués, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, maître Camara Daman, et la ministre de la Fonction publique, Anne Ziro-Loto. Vous savez, pour qu'il y ait une bonne négociation, un bon dialogue social, il y a une posture à avoir. D'accord. La, la première des postures c'est le respect mutuel la confiance réciproque le gouvernement et le patronat de côte d'ivoire pour ces négociations ont eu confiance aux centrales syndicales ont eu confiance aux syndicats ont eu confiance en nous et nous ont respecté deuxième élément il y a la volonté de la recherche d'un consensus et vous avez vu cette discussion durer mais rien n'a filtré parce que nous nous sommes mis dans des postures de responsabilité et chacun à essayer d'argumenter pour que les uns et les autres, chacun puisse bouger. C'est une séance de donner et de recevoir. Et nous l'avons fait. Et vous avez vu qu'à la fin, nous avons fait l'adhésion volontaire par la signature, que ce soit au niveau du secteur public, qu'au niveau donc du secteur privé. Tout ça a été paraffé par des protocoles d'accord. Et enfin, vous avez vu que nous respectons notre signature. C'est pourquoi ce 1er mai 2023 sera un 1er mai spécial. Il ne sera pas l'occasion de diatribes, de discours polémiques. De revendications. De, voilà, de revendications particulières. Il s'agira simplement de magnifier le dialogue social, de remercier le gouvernement et de remercier le patronat de Côte d'Ivoire et de dire, nous, centrales syndicales, nous sommes dans le dialogue social et en avant, du dialogue, en avant pour le dialogue social. Demandez à nos organisations de base, que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé de leur dire d'utiliser les organismes de dialogue social sectoriel et local dans les entreprises que nous venons de mettre pour pouvoir faire en sorte que ce dialogue social garantisse la paix sociale et un environnement de production continue. Oui. Et c'est cette production-là qui va faire que demain, on va encore réclamer qu'on puisse partager la richesse qu'on aura produite. Du coup, ce que vous êtes en train de dire, c'est que neuf mois après, euh, les deux parties qui ont signé ces différents accords respectent leurs engagements. Très clairement, pour notre part, pour nous, centrale syndicale, nous, ça sera le premier er sera l'affirmation du respect de cet engagement. L'accord que nous avons eu pour le secteur public est inédit. Depuis 1964, où la fonction publique moderne de Côte d'Ivoire existe, il n'y a jamais eu de négociation qui aura permis mmh. d'engranger de, 1135 milliards de planchers. Mmh. Non, il n'y en a pas. Deux. C'est la manière dont nous avons négocié. Ça a été une négociation responsable. Ça n'a pas été dans une période de conflit. Ça veut dire que les partis ont compris l'intérêt de l'instrument de l'Organisation internationale du travail. Parce que nous, que ce soit le gouvernement, que ce soit le patronat du Côte d'Ivoire, que ce soit l'aide centrale, nous sommes membres de la Conférence internationale du travail. Et donc, ce sont des outils que nous-mêmes, nous avons adoptés par vote lors de ce Parlement. Et. Nous devions être à mesure de les appliquer. Effectivement. Et c'est ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire devient un exemple pour les autres pays. Un modèle pour les autres pays. Un modèle. Alors, lors de la signature, vous étiez huit euh, centrales syndicales, huit signateurs qui ont approuvé leur euh, adhésion au projet de la trêve sociale. Quels sont vos rapports, vous, en tant que centrale syndicale humaniste de Côte d'Ivoire, avec les sept autres oui mais je, ils m'ont fait l'amitié de me désigner comme porte-parole, donc ce sont des rapports de sympathie, de convivialité, d'harmonie, de solidarité. Alors, c'est des amis au-delà des relations syndicales. Chacun d'eux est un ami au niveau des relations fraternelles. Monsieur Jean-Yves Abonga, qui est président de l'Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, était reçu sur le plateau de, c'est-à-dire dans les locaux de cette info. Il a prouvé ce qui suit. Cinq centrales syndicales sont très proches du gouvernement au détriment de trois autres dont il fait partie. Votre commentaire Proche du gouvernement. Bon, je ne sais pas. Cinq centrales, bon, je ne sais pas si c'est de la sémantique ou c'est de quoi, mais ce que je puis dire... Je crois lire la question que vous ne voulez pas poser, à savoir cinq centrales syndicales participent aux festivités solennelles. Effectivement, du il a dit qu'il était écarté même des, 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 des préparatifs des festivités du 1er mai. Il ne sait pas trop pourquoi. Je lui ai posé la question. Il a dit qu'il fallait la demander au gouvernement. Vous n'êtes pas membre du gouvernement, je le sais. Vous êtes également une centrale syndicale, mais peut-être que vous avez la réponse. Non, pas moi. Puisqu'il s'adresse au gouvernement, je pense que le gouvernement saura lui répondre s'il utilise les canaux indiqués pour s'adresser au gouvernement. Parce que vous savez, quand nous sommes dans une posture de dialogue, il y a des, des postures à avoir aussi. D'accord. Il y a le langage. Et ce langage, quand il est public, la, il peut la, la négociation… Quand, un doit quand il doit porter, il ne doit pas être public. Et vous avez vu les négociations, que ce soit au niveau du secteur public, que ce soit au niveau du secteur privé, beaucoup s'interrogeaient. Ils disent, ils négocient. Mais est-ce qu'il y a négociation okay. C'est au résultat qu'ils ont compris qu'il y a... Ah, il y avait réellement négociation. Il y avait réellement négociation. Donc moi, c'est peut-être simplement, hein, humblement, hein, suggérer que, bon, pour les démarches où il faut la décision du gouvernement, c'est mieux de se rapprocher de cette institution pour pouvoir avoir une réponse appropriée. – Alors, en vers la fin de, de cette émission, comment voyez-vous l'avenir de la main-d'œuvre ivoirienne et quels sont les principaux défis à relever pour garantir un avenir prospère pour les travailleurs du pays ?– Oui, je pense que nous, ce que nous allons souhaiter, nous sommes en train de c'est d'instaurer un nouveau mécanisme du règlement du conflit social. La médiation avec le dialogue social qui devient la norme, un emblème pour nous tous, la médiation professionnelle, la négociation professionnelle doit être aussi un mécanisme qu'on puisse exclure pour pouvoir permettre effectivement le règlement facile et rapide. Parce qu'aujourd'hui, avec le dispositif judiciaire, cela prend du temps, voire un, une, un an et demi, deux ans et demi voir vider un contentieux. Et je pense que la médiation, c'est trois, trois mois renouvelables une fois. Ça permet de vider le contentieux. Je pense que nous allons éplucher ces questions à l'intérieur des comités de dialogue. Deuxièmement, nous pensons que pour améliorer le, 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 la main-d'œuvre. Non, non, je ne suis pas encore là. Pour améliorer en tout cas le règlement des situations, c'est de pouvoir encadrer le dialogue social tant. À la base, qu'au niveau donc des étages supérieurs. Pour nous, la maison du travailleur est une institution qui pourra effectivement permettre un encadrement plus, plus efficace du dialogue social interne en organisation syndicale. Okay. Ben, pour aller à une négociation, il faut pouvoir harmoniser, synthétiser, partir devant euh, l'autorité. Et enfin, pour améliorer le droit du travail, je pense que c'est ce que nous avons commencé. L'Organisation internationale du travail, l'OIT est claire. Pour faire avancer le dispositif de la protection sociale dans un pays et dans le monde, c'est le dialogue social qui est l'élément fondamental. Donc, c'est ce que nous avons enclenché. C'est seulement le dialogue social qu'il faut prioriser. Voilà. Et donc, nous avons enclenché ce processus c'est de demander à nous, centrales syndicales, à nos syndicats de base dans le secteur public, à nos syndicats de base dans les entreprises, au gouvernement, au patronat. Ensemble, nous sommes sur une trajectoire. Ensemble, consolidons-la. Monsieur Sourou Mamadou, merci d'avoir été sur ce plateau. C'est à vous le merci de donner la parole aux travailleurs. Le secrétaire général de la centrale syndicale humaniste était sur ce plateau pour parler de trêve sociale et de commémoration de la fête du travail. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur cette info.